up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve pour le weekly vlog, le fameux weekly vlog qui va démarrer aujourd'hui. On va découvrir du coup un quartier, un nouveau lieu. Donc le tout premier, on va pas le faire en dehors de Paris, on va le faire en fait dans Paris. On va choisir un arrondissement de façon aléatoire tout à l'heure. Donc vous allez voir comment on va procéder, soyez hyper indulgents parce que c'est le premier, donc on va voir un petit peu comment on va s'organiser aujourd'hui. Donc je pense qu'on va prendre une roulette et en fait on va rouler de façon aléatoire et on va choisir un arrondissement. On va essayer de le faire à fond, sauf qu'il est 15h, on s'est pas très bien organisé aujourd'hui, mais ça va le faire je pense. Et après ce soir on mangera dans un petit resto et tout. Du coup aujourd'hui je vous avais dit, j'ai une nouvelle caméra, une petite, sauf que j'ai oublié la carte SD de la grande, donc je vais switcher avec les deux. Si vous voyez la qualité qui diminue ou qui change, bah c'est tout à fait normal. Donc voilà le petit programme, il fait hyper beau, je suis super contente. Et voilà, donc on va arriver chez moi, ensuite on fait la roulette et après c'est parti. Donc je vais vous filmer tout ça aujourd'hui, à donf, et c'est parti les guys hein. Du coup les gars, on est bien arrivé chez moi, donc pour vous réexpliquer, bon je pense que vous avez compris, là en fait on va générer du coup un chiffre avec l'arrondissement. On va tester, franchement aujourd'hui ça va être le week-end test et tout pour voir comment ça va être. N'hésitez pas à me faire des retours aussi en commentaire, comment vous aimez le contenu, enfin le concept et tout. Donc on va générer un arrondissement et de là après dans l'arrondissement on va piocher des trucs assez sympas à vous faire et filmer là-bas. Après sur place on verra aussi comment ça va se passer. Du coup, je vais vous filmer pour que vous voyez bien qu'on ne triche pas. Et après, on va choisir du coup où aller. Ok, donc c'est parti. Là, on a mis les 20 arrondissements de Paris, of course. Et c'est parti, le 9e. Il y a quoi dans le 9e? Du coup, ups, 1er, 2e, 4e, 5e. Et il y a le Square, Musée de la Vie Romantique, Musée du Grave Moreau, l'Opéra Garnier. Bah écoute, on y va hein. On y va? Allez. Franchement les gars, j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Mais je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je me rappelle pas être allée dans le 9e arrondissement. Donc j'ai trop hâte. Bon bah les gars, du coup on va dans le premier truc, je crois que c'est le passage. Et c'est à 9 minutes. Du coup, let's go. Mes spots, les gars, c'est le passage vers vous. Je sais pas si vous connaissez. Je ne suis jamais allée. Du coup, let's go. Et regardez-le. Il a l'air d'être un truc de ouf. Genre, il y a pas mal de petits trucs. Ah, c'est des lignes. Il est vraiment genre trop beau. Du coup on s'est arrêté pour manger un petit peu avant de démarrer les... enfin de continuer la diète puisqu'on a mangé dans le passage en fait. Frappé. Un truc de ramen. Manger. Et ça a l'air hyper bon, c'est des trucs maison. Donc je vais vous montrer. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Franchement c'est un test surtout de A à Z. Let's go. I'm telling you that there ain't no other way. Pack your bags and then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Du coup je vous le disais, vous avez raté parce que je suis tombée, c'était à mourir de rire, sauf que j'ai pas filmé à ce moment là. Genre j'étais sur ma chaise, là je suis tombée en arrière, c'était hyper drôle. Et donc du coup on a pris, en fait on est resté dans le traditionnel entre guillemets, on a pris des ramen avec moi du porc, toi t'as pris quoi? Moi j'ai pas pris des ramen. T'as pris quoi en fait? Moi j'ai pris des nouilles. Ah il a pris des nouilles, j'ai pris des ramen et on a pris deux gyoza traditionnels. Et voilà, c'était hyper bon. J'essaierai de vous filmer un petit peu, genre tout à l'heure qu'on va payer l'intérieur parce que c'est super beau. Voilà. T'as pas filmé? Non, j'ai filmé avec mon téléphone, mais sinon tu filmes avec la caméra. Non, c'est pas possible. Du coup, moi je suis partie sur ça, les ramen. Et ils ont l'air juste incroyables. Et Luca est parti sur ça. Je sais pas ce que c'est. Juste goûte, c'est des nouilles de riz incroyables. Goûte, goûte, goûte. C'est bon hein? Ouf. Je veux pas j'en prends. Mmh.
deuxième passage, c'est celui de... J'arrive pas à lire. Jouffroy, je crois. Ouais, c'est vite. De là. Elle est vraiment belle en fait. Let's go. Regarde. Oh, les gars, c'est vraiment à faire. C'est hyper stylé. J'étais jamais venue et je savais pas, mais le musée Grévin, il est ici. Je suis jamais venue. Maintenant, on va aller boire un petit café. Enfin, dans le salon de thé, là, le restaurant dont je vous ai parlé, qui a l'air hyper bon. Et après on va tourner je pense et essayer de vous dégoûter des petites adresses. Et du coup voilà. Bon les gars, on est rentrés, enfin on a fini de manger là-bas au salon de thé, franchement, je sais pas par où commencer. Je sais pas si je vous dirais de pas y aller, mais c'était pas oufissime. Genre je pense qu'il faut faire attention aux adresses de TikTok parce que, voilà, des fois on vend du rêve, mais elle est bien, je pense qu'il faut y aller, vous voyez, mais c'était pas ouf. Si je dis à Lucas de vous décrire le lieu, il va le démarrer le lieu. Genre le personnel est un peu... ils sont dans le rush en fait, ça se voit, ils ont pas le temps de gérer, donc du coup c'est un peu galère. C'est bon, mais c'est pas oufissime. Je mettrai un 6 sur 10. Donc je vous mettrai le lien de l'adresse, mais elle est pas ouf quoi. Du coup voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et là on va aller, je pense, se balader un petit peu dans le quartier. Il va faire nuit de toute façon. Et après on va rentrer. Hey guys, what's up? On se retrouve du coup après quelques jours, la suite du vlog. Je sais pas quand je vous ai lâché, je crois que je vous ai lâché le week-end dernier. Et du coup bah voilà. Attends, je suis tellement blanche, c'est abusé. Attendez, je vais me mettre genre là. On va faire un petit semblant. Du coup je vous reprends après une semaine en fait pour la continuité du vlog et tout. La dernière fois je crois que je vous ai lâché parce que j'étais tombée malade. Donc je voulais filmer la semaine mais j'ai pas pu. Je suis tombée malade, donc j'ai pas pu filmer. Sinon je vous reprends aujourd'hui. Là on va prendre le petit déjeuner, on a commandé chez un truc qui est hyper bon, donc je vais vous filmer parce que c'est vraiment trop bon. Et après on va faire deux quartiers aujourd'hui. On a décidé de faire le 16e, je vous le dis, je vous spoil en même temps parce qu'il y a pas mal de trucs, il y a un événement. Du coup on va faire ça et après on va continuer des trucs dans le 9e. Donc du coup voilà. Bref, je vous emmène au salon et quand le petit déj arrive je vous montre parce que c'est vraiment hyper bon. Regardez-moi comment ça a l'air tellement bon. C'est tellement bon. Franchement, je vous recommande trop de tester. Ça s'appelle Lazy Brunch. C'est tellement bon. Du coup, nous, on n'a pas pris une formule avec... comment on appelle ça? Truc plat et dessert. On a pris juste en fait des plats. Et là, en fait, c'est une formule avec dessert. C'est pour ma soeur, mais c'est pas pour moi. Elle a pris une... En tout cas, je vais y arriver avec un mano. Elle a pris une dessert et c'est hyper... Ça, c'est vous voyez, en fait. Du coup, voilà. Je vous recommande parce que c'est trop bon. Ça y est les gars, du coup on y va. On est passé en fait à la pharmacie, donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu déjà dehors. Et du coup c'est parti. En fait on va commencer par le 16e aujourd'hui puisqu'il y a des expositions en fait Louis Vuitton. Chaque année ils font une espèce d'exposition où vous pouvez découvrir en gros l'artisanat et tout. Et je suis désolée, je suis dans l'ascenseur, je crois que vous m'entendez bien. Et du coup bah en fait on va faire ça. Et je pense que c'est demain matin qu'on va faire l'Opéra de Paris. Parce que là en fait on va faire tout le 16e, c'est une façon de parler mais vous avez compris. Et du coup voilà. Les gars, ça y est, on va arriver au bois de Boulogne. On va aller d'abord au jardin d'acclimatation. Comme je vous ai dit, ça fait hyper bizarre de vlogger dehors, genre dans Paris, c'est hyper chelou. Mais du coup on va commencer par l'exposition de Louis Vuitton en espérant que ce soit encore ouvert. Après je pense qu'on va se balader dans le bois de Boulogne. Et après bah, je vous redirai, je sais pas trop encore comment on va s'organiser. Donc voilà, faut que je vous fasse un petit tour de mon outfit parce qu'il est vraiment... Putain, c'est hyper stylé les gars, regardez. Je suis en train de let's go les gars. Putain, j'ai trop hâte. Je suis trop excitée, je sais pas pourquoi, mais je suis hyper excitée. Thank you.
balles pour ça quand même. Quoi? 10 balles. 10 balles? Ouais. Ouais, et pour un truc machine, hein, ils l'ont même pas fait. On va le sip le cappuccino. Bon, on s'est arrêté pour un petit café les guys. Et après, on va pouvoir faire la visite de Louis Vuitton. Et je pense que là, on va se balader, on va essayer de faire des attractions. Peut-être. T'as envie d'en faire? Je t'ai dit quoi, moi? Hein? Moi, je t'ai dit ouais. T'as envie d'en faire? Bon, on peut essayer. Ça a l'air... Franchement, c'est hyper stylé. Hein. Je pense que je vais sortir le vlog demain. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais franchement, c'est à faire pour l'année prochaine. Hein, parce que c'est vraiment hyper cool. Sortez les guys. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. T'en penses quoi? Voilà. Les gars, c'est un petit, une petite attraction. J'ai envie de dégueuler. En fait, j'ai pas pu vous filmer donc vous me verrez. Genre, je pense que vous avez vu les plans genre de derrière. Mais les gars, j'ai envie de dégueuler. Genre c'est pas normal. Bah non, en fait genre je voulais tourner la caméra mais j'ai pas pu. C'est ça je pense. Bon maintenant en direction le truc Louis Vuitton. Je suis dégoûtée parce que le truc Dior on peut pas le faire. C'est trop dommage, c'est pour les enfants. Du coup voilà. Calibré, ouais. D'accord. Et puis parfois, on... D'accord. Oui. On a remarqué que les gens, maintenant, ils veulent conserver quelque chose. Ils mettent 6 épaisseurs de tulle. Et là, c'est la doublure. Pour que ça hydrate. Alors... Bon, les guys, on a fini. Du coup, le truc qui se passait au jardin d'acclimatation, c'était vraiment hyper cool. Là, on va essayer d'aller faire les barques au bois de Boulogne. Je sais pas si c'est ouvert, faut qu'on regarde, on n'a pas internet. Et après ça, je pense qu'on va peut-être se balader un petit peu, boire un café. Et puis voilà, hein, c'est déjà une très 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 bonne journée. Au final, on a concentré toute notre journée ici. Mais il y avait tellement de trucs à faire. Donc voilà. Mais c'était vraiment 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 hyper cool. On a appris plein de trucs et tout. Donc voilà, je recommande vraiment d'y aller. Parce que ça montre de nouvelles choses et tout. Et c'était super sympa. Donc du coup, bah, au final, les guys, les bateaux c'est fermé. Ça ferme à 18h. Donc c'est archi dommage. Je suis archi déçue, mais c'est pas grave, on le refera une autre fois. Faut vraiment que je m'organise mieux pour les vlogs du week-end et tout quand je vous fais découvrir un quartier. Mais du coup, bah c'est fermé, donc on peut pas y aller. Et les gens doivent me regarder archi bizarrement quand ils me voient filmer comme ça avec la caméra. C'est hyper gênant, mais c'est pas grave. Mais du coup, bah on va pas y aller puisque ça ferme à 18h et il est 17h43. Donc là, je pense qu'on va revenir vers chez moi et on va prendre un petit café, manger ou à voir si on se balade dans un autre quartier ou un truc comme ça. Et on aurait pu aller manger les soupes, mais c'est loin. Les soupes, les ramen ? Ouais, c'est un peu loin. Je sais pas. Ah ouais, pour le coup, je sais pas où c'est. Il y a la Donc queue. Voilà, on sait pas trop ce qu'on va faire, mais je vous tiens au courant et vraiment, c'était hyper cool. Ah, du coup, les gars, changement de programme, on va à la rue Martyr. On rebascule dans le 9e arrondissement. Voilà, du coup on va aller là-bas, on va boire un verre je pense, balader dans la rue et après on va rentrer à la maison. Ce sera beaucoup plus intéressant. Ouh, je suis trop contente, franchement pour le premier vlog il est plutôt pas mal. Hein. Guys, je suis partie sur un achat de fleurs. Elles sont vraiment trop 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 belles. Genre trop belles. Je suis partie sur des tons rosés, blancs, attendez je sais pas si vous voyez, et voilà, elles sont trop belles. Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien déjà puisque je suis dans le hall de mon immeuble donc je pense que ça résonne de ouf. Bref, du coup aujourd'hui on est dimanche, hier je vous ai un petit peu laissé après la, comment on appelle ça la crêperie, du coup on est rentré, on a mangé et on a dormi, on a pass out. Du coup aujourd'hui on va clôturer je pense le 9e avec l'opéra. Donc on va faire l'opéra de Paris, peut-être se balader un petit peu après dans le quartier. Je suis trop contente parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai vraiment trop hâte, ça va être trop cool. Donc on a pris nos billets.
Pour information, vous devez prendre vos billets à l'avance, je crois. Ça coûte 14 euros par personne. Si vous êtes demandeur d'emploi, je crois que c'est gratuit. Si vous êtes senior, c'est gratuit. Et pour les moins de 12 ans, c'est 12 euros, je crois, quelque chose comme ça. Bref, je vous montre ma tenue. J'essaie de faire un truc un peu en mode I own, genre the place. Donc voilà, ça fait un peu comme ça. J'aime beaucoup trop. Donc je sais plus d'où vient les trucs, je crois que ça vient de Bershka. Ma jupe vient de Zara, mais c'est une ancienne collection. Mes chaussures viennent de chez Shein. Et après, j'ai mis des petits détails et tout, mais je vous montrerai mieux dans la lumière. Donc voilà. C'est vraiment un truc de ouf, regardez les gars. Genre là, c'est super beau, c'est le hall d'entrée. Je pense que là, on est dans une salle de spectacle. Mais regardez le plafond. Et tu penses? Mais non, mais je sais pas, ça peut être une salle de danse. Mais toi, mais... Trop beau, regardez. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais regardez. Bon les gars, ils se pour un coffee, on est allé dans un petit endroit qui est super cute. Il est vraiment trop beau. Et en fait je crois qu'il y a un lieu qui fait du yoga et tout. Je comprends. Et en fait là-bas, je sais pas si vous voyez, en fait il y a un truc pour acheter des fleurs. C'est super doux. Vous me connaissez, vous savez sur quoi je suis partie, une valeur sûre. Elle est trop belle. Regardez la tasse. Et le gars il est parti sur un cappuccino en fait. Mais mon café est trop beau. Bon, ça y est les guys, le vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu ce petit teasing de Roséline Paris. Donc c'était vraiment l'épisode numéro 1 de la grande série qui va arriver. Donc ce sera pas forcément que sur Paris, j'ai juste pas encore trouvé le nom. Donc voilà, si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas à les mettre genre en commentaire, des idées vraiment genre... En fait j'en ai déjà, mais ils sont déjà pris. Donc voilà, il faut vraiment que je bosse sur le nom. Pour l'instant j'ai mis Roséline Paris, puisqu'on est centré sur Paris. Et après bah, je vais le faire du coup, comme vous avez compris, ça va être hors de Paris, ça va être en France, dans plein de villages perdus. Ou en Europe, bref, voilà. En tout cas, si vous avez des recommandations, des trucs comme ça que vous voulez que je fasse, ou que je le tente d'une autre façon, n'hésitez vraiment pas à m'expliquer tout en commentaire, ou m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez vraiment me faire des retours. Donc voilà, en parlant d'Instagram, je vous mets mon Insta juste ici. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu, puis on se retrouve bah, du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.